Bonjour à toutes, bonjour à tous, Toffeuses et Toffeurs, comment allez-vous? J'espère que tout va très, très bien pour vous. Posez-vous tranquillement, calmement pour cette vidéo, puisque l'on va se faire un petit souvenir. Un petit souvenir sur The Last of Us, partie 2. Je voulais commencer ce style de vidéo par ce jeu-là. Qu'est-ce que c'est comme style de vidéo? C'est très simple, c'est ensemble, on va se regarder des passages que j'ai plutôt bien aimés dans le jeu, et j'espère que vous aussi. Et donc, alors, petite parenthèse très très importante, c'est une émission qui spoil, qui va spoiler beaucoup. Donc si vous n'avez jamais fait The Last of Us Partie 2, vous avez l'intention de le faire, faites-le. Faites-le, faites-le. Mais en fait, ça fait très longtemps que sur la chaîne, j'ai envie de faire une émission, quelque chose où on prendrait le temps de revenir et surtout de revoir, revivre certaines scènes des jeux qui, bah, que vous avez certainement aimé si vous êtes ici. Donc c'est parti, on va commencer calmement. C'est pour ça que je vous dis de bien vous poser tranquillement pour cette vidéo. Et on va commencer par se remémorer une première scène du jeu. Une première scène très importante, qui spoile beaucoup. Donc si vous jamais, voilà, si jamais vous n'avez pas fui au premier avertissement, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut fuir. Parce que là, ça va spoil. Et ça va spoil beaucoup. Puisque je veux recommencer par... C'est bon, vous avez pu courir et éteindre? Je pense que c'est bon. Par la scène de la mort de Joël. Malheureusement, voilà. Une scène que je ne m'attendais absolument pas à ça. D'ailleurs, ce qui s'est passé pour moi, ça a été un petit peu particulier puisque j'ai suivi la communication du jeu, donc j'avais vu les trailers qui étaient sortis, et c'est vrai qu'à la fin d'un trailer, Naughty Dog nous faisait réapparaître Joël. Donc moi, au moment de sa mort, je me suis quand même dit, attends, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Même quand on voit Ellie devant sa tombe, je me suis encore dit, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Et en fait, j'ai pas pu être en deuil d'une certaine manière tout de suite pour le personnage de Joël à cause de cette scène où je me disais mais je comprends pas ce qui va se passer. Après je me suis dit ça va peut-être être un flashback quand il a commencé à avoir des flashbacks dans le jeu, mais ma première réaction face à ça, ça a été je comprends pas. En fait là je comprends pas ce qui se passe. Donc voilà, voilà ce que l'on va se regarder en premier, sachant que je vous ai coupé la scène puisque normalement il y a toute la première séquence où il se prend le coup de fusil à pompe, là, qui est affreux. Et puis aussi le premier coup de club de golf, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il se prend là le premier coup de club de golf. Et après, je vous fais une coupe au moment où Ellie arrive dans cette fameuse pièce et va voir ce passage-là, puisque c'est vraiment... C'est très, 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 très prenant. Bref, c'est parti. On se lance cette première vidéo. On peut dire que t'as de la chance. Plus que tu l'imagines. D'où vient votre électricité? Et où t'étais passé, merde? Il y a des panneaux solaires sur le toit. Et c'est qui ce type? Et vous êtes là depuis longtemps? Non, depuis hier. Hier? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans le coin? Rien, on fait passer. Et vous? Vous habitez par ici? Ouais, quelques kilomètres plus bas. Vous devriez rentrer avec nous et faire le plein avant de partir. C'est sympa. Au fait, moi c'est Mel. Tommy. Et lui c'est mon frère. Joël. Quelque chose me dit que vous nous connaissez déjà. Ouais, on te connaît. Laura, c'est bon. Il est HS. Mettez-le contre la vitre. Tommy! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Putain, ma mère! Joël Miller. Devine.
Récite-moi le discours que t'as préparé pour l'occasion. Finissons-en. Soigne sa jambe. Allez! T'as pas intérêt à bouger, putain. Écartez-vous. Laissez-le! C'est qui ça? Elle s'est infiltrée! Mais merde, vous deviez pas monter la garde? On pensait pas que quelqu'un viendrait! Vous êtes con ou quoi? Faut se tirer d'ici avant que toute la ville nous tombe dessus. Ça suffit. Tu fais la même chose que moi. Tue-le. Vite. Joël! Lève-toi! Joël, lève-toi, putain! Pitié, fais pas ça! Pitié, non, fais pas ça! Joël, allez, lève-toi! Non! Non! Va au diable. Je te fais pitié! Quelle scène la mort de Joël, ça reste un moment, je sais pas pour vous, mais même la revoir, voilà, comme ça, ça me fait toujours un petit truc, quoi. Elle est quand même bien, elle est bien dure, hein, cette scène, bien dure. Bref, l'autre scène que je voulais vous montrer pour cette vidéo, alors on en parlait dans la première partie, mais c'est donc un jeu qui comporte des flashbacks, et il y a un petit flashback que j'ai vraiment bien apprécié. Dans ce The Last of Us Partie 2, c'est l'anniversaire d'Ellie. Alors, je vous ai pas mis la séquence dans son intégralité parce qu'elle est super longue. Je me suis concentré sur tout ce qui est la partie astronomie. Tout le moment où, avec la petite la navette, quand ils se mettent dedans et tout, il y a ce moment aussi qui me rappelle le DLC du premier Last of Us où elle jouait à une bande d'arcade qui ne marchait pas, mais s'imaginer le combat et tout. Et là, je trouve qu'il y a un peu la même chose où elle va rentrer dans cette navette et bah, vous savez quoi? Une image vaut mieux que 1000 mots. On se regarde ça tout de suite. Tu savais qu'il y avait ça? Ah, ça te plaît pas. Non, on peut partir. T'es bête.
Hé, hey Joël, tu connais le nom de toutes les planètes? Mon vieux tonton musicien joue sur un nouveau piano. Tu me fais une attaque ou quoi, là? Mon Mercure, vieux Vénus, tonton, Terre. Oh, ok, j'ai compris. C'est bien trouvé. Hé, hey, Joël, quel a été le premier animal à être allé dans l'espace? Ah bah ça, je sais, c'était un singe. Non, des mouches. Ouais, en 1947. C'était pour tester la résistance aux radiations à très haute altitude. Et elles ont survécu. La vache, t'es plutôt futée. Merci. Et ça les a transformées en super mouches? Quoi? Non. Waouh. T'en as d'autres, des infos marrantes? D'après les astronautes, la Lune sent la poudre à canon. Ah oui, ça, c'est marrant. Mais, attends. Comment ils ont... Je suppose qu'ils ont ramené des échantillons de roches. Et qu'ils les ont sentis après. Passe. Il te faut un casque. C'est vrai. Je suis bête. Sans l'espace et la crasse. Après toi. Attention à la tête. C'est dingue. Oh. Ok. Waouh. Regarde un peu tous ces boutons. Trop la classe. Putain. Non mais t'imagines le truc? Bon anniversaire, Ellie. C'est quoi ça? Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Prends-la. Ça vaut le coup. Ok. Thank you.
aimé ton cadeau. J'ai adoré, putain. Eh ben, tant mieux. Bon, qu'est-ce que tu dirais d'aller explorer le coin? Ouais, ok. Allez. La prochaine séquence que je voulais vous remontrer, alors c'est un de ces passages que seul The Last of Us a réussi à me procurer comme sensation. C'est un moment où tu te dis, je ne veux pas jouer ce qui va arriver. Je ne veux pas être dans cette situation. Je ne veux pas contrôler ce personnage-là. Je ne veux pas faire ce qu'elle veut faire. Même si on comprend ses motivations au fur et à mesure d'avoir joué au jeu, mais c'est un de ces moments où, dans le jeu où vous tenez la manette, vous dites « Mais je suis obligé de faire ça, vraiment, vraiment. Sache que je n'ai pas envie de faire ça. » Je vous parle du premier affrontement entre Abby et Ellie dans le théâtre. Voilà. Toute cette séquence-là, elle est costaud. Elle est très, très costaud. Et franchement, j'avais pas envie de taper sur cette gamine que j'ai protégé pendant tout un jeu durant. Donc voilà, c'était un moment un peu étrange, mais je voulais qu'on le regarde ensemble. La prochaine scène qu'on va voir ensemble, alors, va être beaucoup moins violente. Beaucoup, beaucoup moins. C'est une scène
toute simple. C'est Joël, Ellie, qui discutent ensemble. Mais la particularité de cette scène, c'est que on comprend quand on arrive à ce moment-là du jeu que ça va être leur dernière véritable discussion qu'ils ont eue. Et je trouve ce moment très poignant, très beau. Et je, voilà, j'avais envie, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit « Ah tiens, ce passage-là, ça serait cool. Tiens, ce passage-là, ça serait cool. » Je suis arrivé à cette scène et je me suis dit « Je peux pas ne pas la mettre, même si je ne sais pas comment la vendre. Je ne sais pas quoi vous dire à ce moment-là du jeu, juste du jeu, de la vidéo. Mais juste, j'ai kiffé cette scène. J'ai vraiment juste kiffé cette scène. Elle est simple, mais elle est belle. Donc vous savez quoi ? On va la regarder. » Salut. Tu bois quoi ? Du café. T'en as trouvé où ? Les gens qui sont passés la semaine dernière. Oh. J'ai un peu honte de ce que j'ai dû donner en échange, mais... c'est pas mauvais. Je maîtrisais avec Seth. Ouais, je sais. Et il faut que t'arrêtes de saouler Jesse avec mes patrouilles. Ok. Dina... vous êtes ensemble ou... Non. Non, c'était juste un baiser. Ça veut rien dire, elle voulait juste... je sais pas ce qu'elle voulait. Mais elle te plaît. Je suis trop bête. Écoute, je sais pas ce que cette fille attend de toi, mais... tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle aurait de la chance de t'avoir. Putain, t'es vraiment un enfoiré. Je suis pas en train d'essayer... J'aurais dû mourir dans cet hôpital. Ma vie aurait enfin eu un sens. Mais t'as tout foutu en l'air. Si on me donnait une chance de revenir en arrière à ce moment précis, je le referais sans hésitation. N'empêche, je crois que je pourrais jamais te le pardonner. Mais j'aimerais bien essayer. Ça serait bien.
Et enfin, pour finir cette vidéo, on va regarder une scène qui m'a... Comment dire ça? À ce moment-là du jeu, je me suis dit, mais je suis à la fin ou je suis pas à la fin? Que se passe-t-il? Jeu, que me racontes-tu? Est-ce que réellement, j'ai fini The Last of Us ou pas? Ça commençait à sentir la fin, mais pourtant, ça ne l'était pas. Il s'agit de ce moment où Ellie donc rentre de son périple à Seattle et se retrouve à vivre avec Dina et l'enfant qu'on apprend dans la première partie du jeu qu'elle est enceinte. Et donc il y a tout ce moment et il va y avoir cette scène où Ellie va se sentir mal vis-à-vis de Joël. Elle va se dire, en fait, j'ai pas fini. J'ai encore des choses à faire. Même si moi, en tant que joueur, j'étais pas pour qu'elle reparte à ce moment-là. Je me disais, tu as ton paradis. T'es bien à cet endroit, ne fuis pas, n'y va pas. Et arrive donc la scène de la grange et bon, on se regarde ça parce que c'est vraiment, vraiment une scène qui m'a mépris. Alors je dis ça à chaque, mais c'est pour ça que cette vidéo existe. Tu verras, quand tu seras plus grand, tu seras complètement fan de mes blagues. Allez, encore une. Qu'est-ce qu'on obtient quand on croise un mouton et une très grosse vache? Une bête énorme. Ouais, ta maman l'aime bien aussi, celle-là. Allez, à demain, les petits potes. Hé, comment t'es sorti? Allez, sois gentil. T'as pas faim? Chez toi, chez vous. Respire. Je peux, je vais le prendre, d'accord? Viens là, allez. Je suis désolée. Je sais pas ce que... J'étais en train de... Commencer à s'ennuyer ici. Et ben voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans ce Êtes-vous comme moi en souvenir de The Last of Us partie 2. Si vous avez trouvez qu'il manquait des scènes, dites-le-moi dans les commentaires. Ça m'intéresserait de savoir pour vous quelle scène vous a marqué et pourquoi aussi. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé, mais dites-moi juste « Waouh, t'as oublié cette scène, c'est pas bien, comment t'as osé faire ça ?» Et peut-être que un autre coup, on refera un épisode ou peut-être qu'on fera un épisode juste centré sur toutes les scènes que vous m'avez envoyées en commentaire. Je ne sais pas, on se débrouillera, on trouvera un moyen. Comme je vous l'ai dit, ce style de vidéo, les êtes-vous comme moi, sont encore en rodage. J'essaye de vous proposer déjà toutes les formules que j'ai en tête
toutes les choses que je voulais faire avec ce concept-là. Donc j'espère que cette première vidéo, voilà, vous aura plu. C'est là-dessus, moi, que je vais vous quitter. En tout cas, merci à vous si vous m'avez suivi jusque-là dans cette vidéo, jusque-là sur la chaîne. Je vous dis à très, très bientôt. Longue vie et prospérité. Ciao! Si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, bah rejoignez-nous. N'oubliez pas de mettre le petit pouce qui va bien, qui aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Et n'hésitez pas à cocher la petite cloche pour être sûr de ne rien rater. Tofitaf TV, c'est aussi d'autres styles de vidéos. Et je vous dis donc à très vite. J'espère vous revoir. Bye bye.